j'ai installé ma station là. Voilà le décor. Faut descendre un peu. Hein. Ah, malgré tout, c'est un peu périlleux pour descendre s'installer. Voilà Eddie qui s'installe. Bien sûr, une bonne journée ne démarre pas sans un bon café. Bon, et ben voilà, hein, la belle installation, le parasol, parce qu'il va faire bien chaud. Alors, au menu du jour, un paquet de Attractive Yardon, un demi-paquet d'Attractive Yardon, un demi-paquet d'étang, des gozers multicolores congelés, des gozers multicolores et la 12 pieds, la colite. Je ne vais pas pêcher trop loin, juste là devant. Il y a des petites tapes. Oh là, joli. Il y en a un qui a voulu se perdre là. Sur un bouquet de trois asticots. Et ben voilà David en plein boulot. Hein.
Tu vois, j'ai un doute là, sur la touche. Ah ouais, mais elles sont très délicates les touches. C'est pour ça que c'est une belle pêche. Parce que t'as des touches de merde, le sion il bouge de 2 mm et t'as un placard 3 kg au bout. Elle est pas belle la pêche. Bon, j'ai changé d'amorce, je suis revenu à mon amorce perso. Là. Sympa, hein. Allez, tu vas toutes les manger comme moi, hein. Ouais, on est tout à l'eau. Et voilà, une belle journée qui se termine. Et voilà. J'ai craqué à fond, hein. Une bonne journée, hein. Ouais, ouais. Ah ben, je suis redescendu sur un 16 avec un corps de ligne en 14, moi. Ouais, en 14 aussi. Parce qu'en 20, j'avais plus rien. Oui, hein. Sympa. Poisson. Ouais, ouais. Alors, David, cette pêche, c'était comment? Moyenne. Moyenne ? Moyenne. Bon, je t'ai vu lever des poissons toute la journée, tu rigoles ? Non, moyenne. Je peux te lever la bourriche, elle est moyenne. Ouais, bah t'as quand même fait une ou deux grosses plaques, non ? Oui, quelques-unes, mais enfin bon. Ouais, et est-ce que t'as mis des asticots dans la morse, toi ? Un petit peu, pas trop. Des vivants ou des morts ? Des vivants. Ah oui, moi j'ai mis des morts, mais bon, je sais pas si ici ça change grand-chose. Alors j'ai vu que t'avais pêché avec une amorce rouge, alors qu'est-ce que t'en penses ? C'était efficace ou pas pour toi ? Non. Ah non ? Non. Ah ouais, bah, mais de toute façon, il faut bien l'utiliser, on va pas l'acheter. Oui, hein. Voilà. Bon, essayez, en tout cas. Essayez. Ouais.
Bon, allez, eh ben, je vais y aller. Bah, en tout cas, on s'est bien marré. Ça m'a fait bien plaisir de te voir. Bah, à bientôt. Hein. Allez, ciao. Bon, ben, voilà les copains, une partie de pêche qui se termine. Eddie vient de partir, il était fatigué. David va bientôt plier aussi. Moi, je suis sur le point de partir. Vous avez vu, on a bien pêché, on s'est bien marré. Hein. Un petit vent qui n'a pas laissé la possibilité de mettre les parasols, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc j'ai commencé avec un bali d'un mètre, avec un hameçon numéro 16 Tubertini de série 229, un hameçon arrivé. Les touches ont commencé comme ça, puis après, bah, j'ai raccourci le bas de ligne hein, à 40 cm. Et j'ai eu une casse, et donc après, je suis passé avec un hameçon numéro 14. Je me souviens plus, Preston Innovation, un hameçon œillet de 14, bien bien ouvert, sur un bali 9-1. Et puis les touches ont fini là, en fin d'après-midi, donc je suis redescendu sur un bas de ligne en 14 avec par contre là, un hameçon Preston M30 numéro 16. Voilà, un bon soleil, une belle pêche. Voilà, deux amorces différentes, une amorce du commerce le matin et mon amorce perso l'après-midi. J'ai eu un peu plus de touches en début d'après-midi, mais bon, c'est peut-être que le coup était construit, hein, j'en sais rien. De toute façon, l'amorce, c'est qu'un élément de la pêche, parmi tant d'autres. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ce film vous avait plu. N'oubliez pas de mettre un pouce et d'activer les notifications si vous voulez continuer à me voir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle pêche.